un type debout qui regarde. Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue, parfumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. L'idée était bonne, je trouve, de reprendre le disque fondateur de son œuvre et le faire chanter par d'autres gens. Pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui? Peut-être de chanter pour Maxime, que j'adore. Je pense que c'était une chose assez naturelle que je puisse aller chanter sur ce disque, dans le sens où on s'entend très bien avec Maxime et que je pense que, j'espère en tout cas que ça lui fera plaisir. Vos rêves cette nuit, de quoi parleront-ils? Le soleil fut si lourd. Demain c'est samedi, je guetterai fébrile votre sortie du cours. Saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est une valse, c'est que ça correspond bien à mon tempérament. C'est sautillant, c'est léger, et en même temps, il y a une espèce de double sens un peu sulfureux. J'étais enchanté d'interpréter la chanson, quoi. J'ai annoté mon texte de plein de petites dièses, de plein de petites signes tarabiscotés, parce qu'en étudiant la mélodie, on peut l'imaginer de plein de façons différentes. Maxime est souvent porté au nu pour ses textes, mais la richesse de ses mélodies vaut le détour quand on s'y penche. Je crois que je vous dois de vous faire un aveu, petite, écoutez-moi. C'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat. Je voyais les gens sur les plages, le soir, en Bretagne, avec leur guitare, et chanter San Francisco. Et donc, c'est des chansons qu'on peut chanter quand on veut séduire des filles sur la plage. Un petit coup de bleu, comme ça. Un petit coup de rêve, voilà. Rêver, rêver. Et moi, c'était assez délicat d'amener mon piano sur cette même plage. Donc j'étais là juste condamné à faire le cœur derrière, ce qui est assez peu valorisant quand on veut séduire une plagiste. Papa dodo dodo, à toi. Sylvia, attendez-moi.